caminando a la montaña donde nací. Hola a todos los amigos, ¿cómo están, les amis? Moi, impeccable. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve sur une chanson, l'une des chansons que je préfère sur un petit slow rumba flamenca, La Montaña des Gypsy Kings, chantée par Canut Reyes. On va décortiquer les compas, la petite introduction. Si elle te fait plaisir, tu me le mets dans les commentaires. On fera une vidéo à part pour ne pas tout mélanger et pour pas que ça soit trop lourd sur la même vidéo, on va dire. Mais on va décortiquer. Compas, quel compas je choisis? Et les accords détaillés, bien sûr, là, du couplet et du refrain. Vamos! Donc, on décortique. Quel choix de compas personnel que j'ai choisi? T'es pas obligé de faire celui-là. Tu peux utiliser, comme c'est un slow tranquille, tu peux utiliser le compas le plus utilisé en rumba flamenca. Tu peux le trouver dans la playlist. Et tu le fais bien sûr à un tempo lent pour que ça soit assez slow. Tu peux utiliser, personnellement, c'est celui-là que j'ai fait en introduction, le double golpé. Je trouve qu'il a, il a du tact dans celle-là, une douceur. Le double golpé, quand tu le fais tranquille, il est irremplaçable. Donc moi, personnellement, je choisis, et tu me verras dans cette vidéo, le double golpé que tu peux trouver dans la playlist, bien sûr. Il passe super bien. Après, on va décortiquer. Tout d'abord, le couplet. Ce sera toujours pareil, couplet 1, couplet 2, ce que tu fais. Ce que tu fais, ce que tu fais. Ça sera toujours pareil. Alors, c'est l'introduction que j'ai fait, c'est le refrain. Alors, tout d'abord, on va décortiquer le refrain. Plus facile, enfin, entre parenthèses, plus facile. C'est ce que je t'ai fait dans l'introduction, c'est le refrain. Yo voy caminando a la montaña donde nací. On va le décortiquer, tu vas voir les accords maintenant. Là, ici. Il y aura un sol. Mais sache que dans la chanson, je n'ai pas fait un sol majeur. Le dernier doigt là, sol, la corde de mi. Alors bien sûr, capot 1, je parle en capot 1 pour l'intonation de la voix. Sinon, 0, hein, tu mets sans capot. Corde, l'index majeur annulaire, à la corde, au lieu de la corde de mi, tu vas faire un sol 6. Tu vas le mettre à la corde de mi, la, ré, sol, si, corde de si. Et c'est là l'introduction. L'accord parfait pour Joe Boy, caminando a la montaña donde así, la montagne. Différent, sol 6. Très joli. Donc un sol 6. Tu verras bien sûr un do. Un mi mineur, un ré majeur, et tu reviens sur le sol 6. Alors, pour décortiquer, combien de temps on passe? Alors, bien sûr, tu sais que quand tu interprètes une chanson, tu peux être beaucoup plus long. Si tu fais Jobo, on va pas parler de temps. Si tu l'interprètes toi-même et que tu veux la rallonger. Mais logiquement, il y a un petit peu des codes à respecter. Après, tu ne respectes pas ce que tu veux. Tu peux être beaucoup plus long et beaucoup plus rapide. Tu casses le charme de la musique. Beaucoup plus rapide. C'est dommage. Faire du boy caminando à la montagne. Non, tu ne vas pas commencer à casser ces codes-là. Mais si on respecte, c'est du boy caminando à la montagne. Voilà, tu as bien vu, tu comptes là si tu veux. Après, si tu veux la chanter beaucoup plus lentement, beaucoup plus long sur les accords, tu fais ce que tu veux. Tant que tu la massacres pas la chanson. Il faut respecter au moins, un minimum. Là, si tu respectes ce que j'ai fait, ce tempo et combien de temps de passe de compas sur les accords, c'est deux fois le sol 6, tu vois.
Du boy. Deux fois le sol 6. Deux fois le do. Après, une fois le mi mineur. Un compas. Un compas sur le ré majeur. Et tu reviens et tu finis le refrain deux fois sol 6. Donc comme tu débutes deux fois sol 6 et tu finis deux fois sol 6, tu seras longtemps, bien sûr, sur le sol 6. Un exemple, sans chanter. 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Tu as compris? Allez, on se le fait en chantant. Yo voy caminando a la montaña donde nací. Yo voy caminando a la montaña donde nací. Facile, tu as compris? On enchaîne maintenant au couplet. Donc le couplet, la boucle va être différente. Je vais te mettre les accords, je vais te faire un passage en chantant et après on décortique les accords. Rien de compliqué, il va y avoir un mi mineur, il va y avoir un si mineur et on va revenir sur les accords un petit peu du refrain. Et que le si mineur qui se rajoute de tête. En chantant, on verra. Et à un moment dans la chanson, parce que bien sûr, comme tu as pu suivre ma vidéo, tous mes conseils pour chanter, un conseil dans ça, quand tu veux commencer à chanter, bien t'imprégner, bien écouter l'original, après pas forcément copier-coller, après si ta voix correspond à l'original, ben tant mieux, alors là, mais si tu n'y arrives pas, change le capot, moi j'ai mis capot 1, toi essaye 0, essaye capot 2 et tu verras, tu essayes de parler au tout début. Et tu verras que dans la chanson, couplet 1, on va dire couplet 2, je ne sais plus combien il y en a, tu l'écoutes bien. À un moment, il y a « No puedo vivir al lado del camino », ce que je vais chanter. Et un passage aussi, « Ti daduri, daduri, daduri ». Un passage en « Ti daduri ». Ben, le « Ti daduri », c'est, on va l'inclure dans les couplets. Ce sera les mêmes accords que le couplet. Tu comprendras, je vais te faire deux essais. Et après, on va se quitter et à toi de bosser. Donc, on a fini le refrain, important. Je vais finir sur mon sol. Que tu comprennes, j'ai fini mon refrain. Et je vais enchaîner le couplet par un mi mineur, tu comprendras. Pour que vocalement, je retombe bien dessus. J'ai fini. No puedo vivir. Tu recommences, tu as fini sur le sol et tu recommences le refrain. Yo voy caminando. Et après, deuxième couplet, ti daduri, avec cette même boucle. Donc, tu as vu dans la boucle, tu as fini ton refrain
sol. Donc après, dans le couplet, no puedo vivir. Là, je les ai mis. Mi mineur. Al lado del camino. Si mineur. Pase el tiempo. Do. Yo miraba una estrella. Sol 6. Tu reviens. No puedo vivir. Et ainsi de suite, tu la refais. Voilà, facile. Donc ce couplet, quand tu chantes No puedo vivir, nani, nana, que j'ai mis, tu refais Yo voy caminando, et après, ti da do di. Ben, c'est exactement pareil. Tu as fini ton refrain, ti da do di, regardez. Chanson, refrain, yo voy caminando, no puedo vivir, yo voy caminando, tiraduri, et tu peux finir par yo voy caminando. Voilà, refrain, couplet, tiraduri, refrain, voilà, j'ai essayé de te partager ça. C'est vrai qu'elle n'est pas évidente niveau chant, à essayer de t'amuser sans capot. Je l'ai pris capot 1 pour te montrer que malgré que je m'amuse un petit peu dans les graves, à peu près, j'arrive, capot 1, à essayer de m'amuser dans les aigus. Un petit peu à m'amuser. Ça ne se fait pas comme ça, à travailler. À toi de t'amuser, essayer de trouver tes aigus comme un peu plus graves. Tu vois, tu essayes de t'amuser un petit peu en montant, en essayant juste. Comme ça, je parle, ça fait des petits rappels sur la vidéo. Mes conseils pour chanter. Ceux qui ont vu cette vidéo, ça permet de correspondre à chaque fois que j'interprète ou que j'essaye d'interpréter une chanson ou que j'apprends les accords, ben, de t'aider vocalement à essayer de te trouver capot 0, 1, 2. Essaye, plante-toi, écoute-toi et tu verras. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une très belle chanson, n'hésite pas en commentaire. Le petit like aussi, ça fait plaisir à la familia. Et n'hésite pas en commentaire de me dire si tu es intéressé par cette petite intro. Allez, un abrazo, vos bien amigos. Olé!